8 millions de morts, 7 millions de déplacés internes. La République démocratique du Congo est victime de graves violations du droit international, humanitaire et des droits de l'homme. Je vous parle de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre, de viols, d'exactions contre les enfants et les femmes, d'enrôlement forcé d'enfants soldats, le sang coule au Congo. Depuis 25 ans, la ville de Goma, le nord et le sud Kivu sont confrontés à une crise humanitaire et sécuritaire déchirante. Les institutions internationales reconnues sonnent l'alarme depuis trop longtemps. Ainsi, l'UNICEF et le Programme alimentaire mondial préviennent que les surpopulations dans les camps de déplacés entraînent des risques accrus mortels de maladies mortelles. Cette guerre est oubliée, alors que le trafic de matières premières à la racine de ce conflit, le cobalt, le lithium, le coltan, circulent librement et atterrissent jusque dans nos portables. Cette guerre est passée sous silence. En mars 2023, le président de la République, Emmanuel Macron, est venu tenir une conférence économique sur les minerais stratégiques à Kinshasa. Il a parlé d'argent, il n'a pas parlé du sang des Congolais. Je veux affirmer que pour nous, la vie des Congolais compte. Il y a urgence. Le M23, groupe armé directement soutenu par le Rwanda, selon les rapports des Nations Unies, s'est rapproché de Goma, ville de 2 millions d'habitants. Nous avons le devoir d'agir. Il a fallu attendre un communiqué du 20 février dernier pour que le Quai d'Orsay déclare que la France est très préoccupée par la situation et appelle le Rwanda à cesser tout soutien au M23 et à se retirer du territoire congolais. Les mots sont importants, les actes le sont plus encore. Alors, Madame la Ministre, allez-vous geler vos coopérations militaires avec le Rwanda et procéder à des sanctions économiques et diplomatiques ?